Et rebonjour YouTube, on enchaîne. Alors, il faut que je trouve Amanda. Elle doit être encore à un autre endroit, j'imagine. Où est-ce qu'elle est? C'est quoi ça? C'est vrai qu'on n'a pas trop exploré cet endroit. Elle est là. Ok, faut aller au milieu, aller sur le bateau. Amanda. Bonjour vous. Bonjour Connor. J'ai pensé qu'une petite croisière te plairait. Ok. Ah d'accord, c'est moi qui dois pousser. Hein. Allez. J'aime cet endroit. Tout est si calme, si paisible. Loin de l'agitation du monde extérieur. Dis-moi, qu'as-tu découvert? Eden Club. J'ai trouvé deux déviantes à l'Eden Club. J'espérais en tirer quelque chose. Mais elles nous ont échappé. C'est dommage. Tu étais tellement proche du but. Ok. Ça pue la merde, hein. Tu sembles perdu, Connor. Perdu et perturbé. Cancer, non, déterminé. Déterminé. Je suis frustré que mon enquête n'avance pas. Mais je suis déterminé à accomplir ma mission. Ton arme était braquée sur ces deux déviantes à l'Eden Club. Ouais. Pourquoi ne pas avoir tiré? Inutile. Il nous faut des déviants intacts pour les analyses. Nous n'aurions rien appris en les abattant. Ok, on fait des choses, hein, on parle de boulot, on se déconcentre pas. Si ton enquête ne progresse pas rapidement, je vais devoir te remplacer, Connor. Confiant. Je sais que j'y arriverai. Il me faut juste du temps, c'est tout. Il se passe quelque chose. Quelque chose de grave. Fais vite, Connor. Le temps presse. Ok. Tu commences à me faire suer avec cette pièce, Connor. Désolé, lieutenant. 79e étage. Alors. Salut, Hank. Merde, c'est quoi ce bazar? Il y avait une fiesta et personne m'a prévenu? Ouais, les médias ne parlent que de ça, alors tout le monde s'en mêle. Même le FBI s'est incrusté. Ah, chiotte. Ça commence à devenir compliqué. Je savais que ça sentait la journée pourrie. Bon, alors qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 4 androïdes. Qui connaissaient le bâtiment et ils étaient très bien organisés. Je comprends toujours pas comment ils ont fait pour ne pas se faire remarquer. Tu es allé voir sur le toit? Pas encore. Il y a beaucoup à faire. Il faudra penser à respecter. Ils ont attaqué deux gardes dans le couloir. Ils devaient croire que les androïdes faisaient partie de l'équipe d'entretien. Ils ont été assommés avant d'avoir pu réagir. Ok. Ah merde, ça m'a coûté le briefing.
On va écouter le briefing pour l'instant. Un des employés de la station a réussi à s'enfuir. Il est en état de choc. J'ignore quand on pourra lui parler. Combien de gens travaillaient dans cette salle ? Deux employés et trois androïdes. Les déviants ont pris les humains en otage et ils ont diffusé leur message en direct. Ils se sont échappés par le toit. D'accord. Le toit ? Oui, ils ont sauté en parachute. On essaie de déterminer où ils ont atterri, mais le temps ne nous aide pas. Si vous voulez jeter un œil au message diffusé par les déviants, il passe sur cet écran là-bas. Encore lui ? Oh, lieutenant, voici l'agent spécial Perkins du FBI. Le lieutenant Anderson s'occupe de l'enquête pour la police de Détroit. Bonjour. Et c'est quoi ça ? Je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Des androïdes qui enquêtent sur d'autres androïdes. Vous êtes sûr de vouloir faire équipe avec l'un d'eux ? Après tout ce qui s'est passé. Peu importe. Le FBI va reprendre l'enquête, vous serez bien conclu sur l'affaire. Tout le plaisir est pour moi, bonne journée. Et faites bien attention. Bousillez pas ma scène de crime. Je t'en fous, très drôle, quel connard. Je serai dans le coin. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas. On va inspecter les lieux. Fais-moi signe si tu trouves quoi que ce soit. Ok, lieutenant. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble, nous pouvons vivre en paix et bâtir un avenir meilleur pour les humains et les androïdes. D'accord. Ce message porte l'espoir de tout un peuple. Vous nous avez donné la vie. L'heure est venue de nous donner notre liberté. Tu penses que c'est Hera 9 ? Les déviants prétendent que Hera 9 les libérera. Ok. On dirait que c'est l'objectif de cet androïde. Iris bleu. Ah, le déviant avait des complices. Et quoi ? Tirer RK pour ce type RK200. T'as vu quelque chose ? Ok. J'ai identifié son modèle et son numéro de série. Y a un truc que je devrais savoir ? Non. Rien d'autre. Ok. Alors. Ah. Qu'est-ce qu'il y a de... Les assaillants ont été déguisés. Ah mais là on connaît déjà tout. Il va avoir la langue bleue à force de lécher ça. Hein. Le déviant avait été abattu. Quoi de teuf ? Examiner. Discours filmé d'ici. D'accord. Ah, ça a tiré par là aussi. Un pack de balles. D'accord. Connor ? Tu te souviens de moi ? C'est qui ça ? J'étais sur la terrasse. Quand cet androïde a pris la fillette en otage. Ah ! Il m'a tiré dessus. C'est le flic qu'on a sauvé ? Tu m'as sauvé. Je me souviens de vous. J'aurais pu mourir sur cette terrasse. Tu m'as sauvé la vie. D'accord. J'aurais jamais pensé dire ça à un androïde. Mais
C'est le flic qu'on a sauvé. Ah ah, il y a encore un truc là. Ah ah. Ils ne sont pas entrés par effraction. Il n'y a pas eu d'effraction ? Non, aucun signe d'effraction. Ah salut Mamou. Le couloir est sous vidéosurveillance. Bon ça va bien écoute. Les gardes se seraient rendu compte de quelque chose. Pourquoi les laisser entrer ? Ils ont peut-être pas regardé les caméras. Les androïdes. Androïdes de la station dans la cuisine. Rien n'indique qu'ils aient été impliqués, mais on savait pas du tout quoi en faire. D'accord, bon on va aller voir. Les complices androïdes. Bon il y a un truc à lire, on s'en branle. Donc les androïdes. Interrogez. Les mêmes. Quelle est ta fonction? Je suis technicien de diffusion. Décline ton modèle. Modèle JB300. Numéro de série 336-445-581. Étais-tu sur place quand les déviants se sont introduits? Je ne me souviens pas. Lancez un diagnostic. Système opérationnel à 100%. Quelqu'un a-t-il eu accès à la mémoire récemment? Pas à ma connaissance. Oh! On a vu un œil sur le côté! Ouais, je m'en sors plutôt bien. As-tu été en contact avec d'autres androïdes récemment? Uniquement les androïdes de la station dans le cadre de mes fonctions. L'un de vous a vu l'intrusion sur les caméras de surveillance et n'a rien dit. Ce qui implique qu'il y a un déviant dans cette pièce. Et je compte bien trouver l'unité fautive. Menace. Tu vas être désactivé. Nous allons fouiller ta mémoire et te démonter pièce par pièce pour analyse. Ils vont devoir te détruire. Tu m'entends? Te détruire. Ouais. Il m'a encore fait un petit coup d'œil là. Nous n'allons pas tous vous détruire s'il n'y a qu'un seul déviant. Dénonce-toi ou deux androïdes innocents seront désactivés par ta faute. Je continue sur lui, hein. C'est ça que c'est lui. J'ai pas grand doute. Allez. Dénonce-toi. Et je pourrais peut-être convaincre les humains de ne pas te détruire. Alors ? Faisons un bluff. Les déviants ont été arrêtés. Ils j'arrête pas de le forcer. Nous savons tout. Ah bah voilà ! Je savais bien que c'était lui. Oh le bâtard. Le couteau. Allez. J'ai besoin d'aide. Aïe aïe aïe. Allez.
Une minute 20. Allez, on continue, on y est. Allez. Allez, on y est, c'est bon là. Rebranche-toi. Bâtard. C'est un déviant, arrêtez-le. Oula oula. Hein. Prends de l'arme. En chance de survie estimée à 40%. Prends de l'arme. Attaquer. Putain. Oh et merde. Tu as sauvé des vies humaines. Tu m'as sauvé la vie. Eh ben, on n'a pas respecté le toit du coup. Mais vu qu'on a pas respecté le toit, du coup on l'a pas trouvé. Bah attends, mais il y avait des gens qui tapaient sur la porte pour aller sur le toit. Je comprends plus rien. C'est pas grave. 8 novembre. Ah mais c'est normal d'avoir envie de le refaire aussi. Chacun son histoire. Ah l'enfoiré. J'ai failli crever, hein. Ok. On va encore mourir. Bon, de toute façon, il y a juste à lui parler, j'imagine. Alors. Je cherche Rose. Elle est ici? Qu'est-ce que vous lui voulez? Ah. Elle veut parler à personne. Allez-vous-en. S'il te plaît, il faut vraiment que je la voie. Je suis Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On m'a dit que vous pouviez nous aider. Vous aider? Je suis un androïde. Bonjour. On sera mieux à l'intérieur. Elle a moins l'air d'une salope. Que tous ceux qu'on a rencontrés avant. Par contre, lui. Tu crois qu'on peut leur faire confiance? Ouais, allez. On n'a pas vraiment le choix. Entrez. Là, c'est pour l'instant, ça a l'air d'aller, ça a l'air modeste à moitié. Comment tu t'as... Juste le gosse qui fait peur, mais... Elle a de la fièvre. On a passé les dernières nuits dehors. Elle est épuisée. Il y a une chambre d'amis à l'étage. Tu peux aller la coucher, je lui apporterai à manger. Ouais. Adam, tu peux les accompagner en haut? Jusque là, ouais. Alors. Là, il y a des pièces d'androïdes là-dedans. Qu'est-ce qu'il fait? Mais what the fuck, il a fait? Ok, on fait comme lui, hein. Il nous accompagne, de toute façon. Hop là, par là. Et voilà, c'est bon, on peut monter. Une tradition chez eux. Ils font tout en boucle. Merci.
Ok, donc faut juste coucher Alice. Allez Alice. Allez au lit. Voilà. Et ça recommence, on a des apps. C'est tout le temps. Voilà. On enlève le pull. Mais elle a quel âge? Elle peut se déshabiller à cet âge-là, non? Hop là. Je vais bien, Kara. On doit pas s'arrêter à cause de moi. Mais t'inquiète pas. Non, rien dire. Rassuré. Il faut que tu te reposes. Tu vas faire une bonne nuit de sommeil et on repartira demain. Voilà. Pourquoi les humains nous détestent? On n'a rien fait de mal. Bah oui. Effrayé. Peut-être parce qu'ils ont peur. Les gens ont toujours peur de ce qu'ils connaissent pas. Pourquoi est-ce qu'on peut pas simplement se parler? Ils verraient qu'on n'est pas méchants. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je ne sais pas ce que tu aimes, mais je t'ai préparé les fameux spaghettis de Rose. Tu seras à nouveau sur pied, on a rien de temps. Elle est gentille, ça va. Pour sa fièvre. Merci. Je vais les laver et les sécher. Ouais, ça a l'air d'être une mère de famille. Faut manger. Il faut que tu manges quelque chose. Tu n'as rien avalé depuis qu'on est parti. Tu me promets d'essayer? Ah. Je serai en bas si tu as besoin de quelque chose. Repose-toi bien. Et demain, tu seras plus fort que moi. Hop là. Je vais rester un peu avec elle. Regarde comme il est gentil. Attends. Il veut rester avec elle. Parce que il était quand même avec un connard, il nous a sauvés, mais. Ouais. Oh bon. J'espère qu'il est sympa. Excusez-moi. La fatigue se fait ressentir. J'ai pas beaucoup dormi dernièrement. Tu ne m'as pas dit ton nom. Je m'appelle Kara. Voici mon fils, Adam. Bonjour, Adam. Et moi, c'est Rose, mais tu le sais déjà. Oui. Viens t'asseoir, Kara. Alors, comment une déviante s'est-elle retrouvée à marcher dans la neige avec une petite fille? Ouais, sincère. Son père la battait. Quand j'ai vu ce qui se passait... Ça marche. Quelque chose a changé en moi. Tout à coup, j'ai compris que sa vie était plus importante que la mienne. Pas de soucis, cette. Je devais la protéger. Alors on s'est enfui. Je comprends. Pourquoi nous aider? Pourquoi est-ce que vous nous aidez? La plupart des humains détestent les androïdes. On a souvent traité les gens de mon peuple comme si leur vie ne valait rien. Certains n'ont survécu que grâce à ceux qui les ont aidés en chemin. D'accord. Nous ne sommes pas les premiers à venir ici. Ces dernières semaines, nous en voyons de plus en plus. J'ignore ce qui se passe, mais les choses sont en train de bouger. Le gosse est pas content. Oui, il a traversé la frontière. Vous pouvez nous aider? Le seul moyen, c'est de traverser la rivière et elle est en partie gelée l'hiver. C'est vraiment très risqué. D'accord. Et après le discours de cet androïde à la télé, tout le monde est à cran. Ce serait sûrement plus prudent pour vous de rester ici jusqu'à ce que les choses se tassent. Continuez à se cacher. Alice doit reprendre une vie normale et se sentir en sécurité. On doit traverser cette frontière. Coûte que coûte. Je vous en prie. Vous devez nous aider.
Rose, venez vite. Qu'est-ce qui se passe là? Moi je veux voir, moi je veux voir. Qu'est-ce qui se passe? C'est Marie. Elle vient de se désactiver. Oh merde. On s'est enfui ensemble. On parlait tout le temps de ce qu'on ferait une fois qu'on aurait traversé la frontière. Je l'aimais. Je l'aimais plus que tout au monde. Qu'est-ce que je vais faire sans elle? Ah, R9 là? Enfin non, c'est... Oui, c'est... R9, ouais, R9. C'est écrit à droite. Laissons-les seuls. Bon, elle a l'air sympa. Ah merde. Alice? Qu'est-ce que tu fais? Il faut que tu te reposes. J'avais pas sommeil. On va rester. Viens, Alice. Elle ne voulait pas rester dans sa chambre, alors. Tout va bien, Kara? Ouais. Oui. Ça va. D'accord. Allez voir ce qui se passe. Bah c'est bon, on a vu. On ne peut pas les cacher. Pas après ce que ces déviants ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup trop dangereux. D'accord. Tu sais ce qui se passera si la police les trouve ici? On ira en prison, maman. Tu comprends ce que je te dis? En prison. Adam, on en a déjà parlé. Non. Je ne céderai pas cette fois. Aïe, aïe, aïe. Tu veux détruire nos vies, et tout ça pourquoi? Pour de vulgaires machines? Ce ne sont pas des machines. Ils sont vivants. Moi, je suis vivant. Toi, t'es vivante, mais eux, ils ne sont rien. Aïe, aïe, aïe. Ça serait arrivé si papa était encore là. Je ne tolérerai pas ce genre de propos. J'ai pas l'intention de finir en prison parce que tu veux aider ces choses. Ça suffit, Adam. Arrête ça tout de suite. Ouh, elle est vénère. Avec no stress, Rose, no stress. Ne fais pas attention à lui. Il se laisse emporter parfois. C'est difficile pour lui depuis que son père est mort. Très joyeux en ce moment, hein. Mais c'est un bon garçon. Je vais voir si je peux vous faire passer la frontière ce soir. D'accord? Restez ici, je n'en ai pas pour longtemps. Et B. Pour être bouquiné. Allumer la télé. Oui. Les habitants de Détroit sont sous le choc après l'attaque de la tour Strat. Merde, j'ai éteint. Je suis un connard. Ok. Et... On peut retourner là-dedans. Qu'est-ce qu'il a fait, lui?
il regarde un match. Ah. Pour le coup, j'irais bien voir Adam, moi. Parlez, Adam. Adam, bonjour. On ne veut pas vous causer de problème à ta mère et à toi. On partira dès qu'on pourra. La police. C'est la police. Ok. Trouver des traces de déviant. Qu'est-ce qu'on va faire? Ok. Ils savent qu'on est là. On doit ouvrir la porte. Ah bah deux secondes. Je savais. Il y a ça. Je le savais. Et toi? Trace de déviant, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Rien vu d'autre. Allez, Alice. Vite, Luther, emmène Alice et cachez-vous. À l'étage. Viens, Alice. Ok. Ça c'est fait. Rassuré. Adam, reste calme et tout ira bien. Ok. Putain, il rase des 13 de déviants. Où là? Là? Non. Ici là? Cacher les androïdes. Ok. Et puis rien à faire. Réfléchis vite fait. Non, je crois que c'est tout. On ouvre la porte. Bonsoir, madame. Désolé de vous déranger. On nous a signalé la présence d'androïdes dans le secteur. Avec toutes ces histoires de déviants dernièrement, on ne peut pas prendre de risques. Je peux vous poser quelques questions? Bien sûr. Je peux entrer? Oui, bien sûr. Bonsoir, jeune homme. Bonsoir. Vous voulez une tasse de café? Oh, avec plaisir. Avez-vous remarqué quoi que ce soit d'inhabituel dernièrement? Des visiteurs suspects? Non. Non, rien de particulier. Alors, faire du café. Il y a quelqu'un d'autre dans la maison? Alice. Il y a ma fille. Elle dort en haut à l'étage. Oh. On a dit qu'il y avait Alice. Est-ce que vous avez des androïdes ici? Non. Vous prenez pas votre café. Bon, apparemment, il va pas prendre son café. Merci. Niveau soupçon 0%. Donc on est bon là. On a dit qu'il y avait notre fille. Il y a les fringues qui sont sur la cheminée, donc heureusement qu'on l'a dit.
Oh là, c'est bon là, justement, rien ne se passe. Comment tu t'appelles, fiston? Adam. Je m'appelle Adam. Est-ce que tout va bien, Adam? Les androïdes, ils... Il est juste fatigué. Il a travaillé dans le jardin toute la journée. Tu sais quelque chose à propos des déviants? Tu en as vu? Non. Non. Je n'ai rien vu. Je ferais bien d'y aller. Merci pour le café. Pas de rien. Oh merde, ils ont fait un bruit. Quelqu'un d'autre dans la maison? La machine à laver? C'est rien, c'est la machine à laver. Elle est vieille, elle fait un boucan pas possible. Désolé de vous avoir dérangé. Adam, bonne soirée. Bonne soirée, Adam. Il est parti. Tout va bien, Alice. On ne craint plus rien. C'est Rose. Ok. Allez vous préparer. On part ce soir. Ok. Ah, c'était pas évident. Hein. Alors attendez deux secondes. Hop. Voilà. Et. Excusez-moi, j'ai reçu un message de ma copine. Ok. Le policier est parti, donc c'est bon. On a géré. Toutes les chaînes diffusent notre message. Les humains savent maintenant. C'était une erreur d'essayer de leur parler. Ils négocieront jamais avec des esclaves. On aurait dû leur montrer qu'on était prêt à se battre. La violence ne règle rien. Le dialogue est la seule solution. Je suis sûr que les humains vont nous écouter. Ouais. Simon a payé de sa vie. Simon a donné sa vie pour notre cause. Et qu'est-ce que ça change? C'est un héros. Il est mort pour cette révolution et il ne sera pas le dernier. Je ne veux pas d'une révolution sanglante. Alors viens en esclave. Si tu n'es pas prêt à te battre pour ta liberté, peut-être que tu ne la mérites pas. Alors je t'interdis. Ça suffit. Je suis le leader. On m'écoute. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est vrai ça, qu'est-ce que tu fais après avoir dit ce que tu veux? Manifestation? Il y a 5 magasins CyberLife à Détroit, où nous sommes vendus comme de la marchandise. Nous allons attaquer ces magasins et libérer les nôtres. Attaquer des magasins? On n'a encore jamais fait ça. Ils sont sûrement protégés par un système de sécurité. Mais non. On va former 5 équipes, une par magasin. On va pirater leur système de sécurité et frapper. Tous en même temps à 2h du matin, pas de violence. On libère les nôtres et on met les voiles avant que la police débarque. Cette nuit va marquer l'histoire de notre peuple. Ok. J'attends ce moment depuis longtemps. Ah. Ils vont encore s'en passer des choses, je vous le dis. Et que je fasse équipe avec elle en plus. Marcus, par ici, vite. Ok. C'est bon, ils sont partis. Il faut vraiment qu'ils mettent de la musique en pleine nuit. Il y a sûrement d'autres patrouilles dans les environs. On doit être prudent. Ah, attends.
Convertir. Tu es libre. Tu es libre. Ah mais un androïde qui a jamais eu de liberté, qu'est-ce qu'il fait quand il avait... Qu'on lui en donne. On les libère tous. Tu es éveillé maintenant. Va à Jéricho. Et il y a encore toi. Hop. Tu es libre. Ok. Bon alors. Comment on rentre là-dedans? Voilà ce que nous sommes pour eux. La vulgaire marchandise en vitrine. Ils vont pas tarder à découvrir notre vrai visage. Sortons-les de là. On suit le plan. On désactive le système d'alarme et on sécurise la zone. Nos équipes lanceront l'assaut dans 10 minutes. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Sécuriser la zone pénétrant dans le magasin. Alors. On commence par là. On a 10 minutes. Pour ne pas être dérangé. Et qu'est-ce qu'on fait pour l'aventure du magasin? On verra plus tard. Plus tard, une chose après l'autre. Ok, et maintenant on fait quoi? Voler le camion. On a de la chance. Y'a quoi là-bas? Convertir. Tu es libre. Ok. Voilà. Voilà, on devrait pas être dérangé. Bloquer la route, c'est bon. Là on pourra aller là, mais je vais d'abord voir ce qu'il y a par là. Allez. On n'a pas temps infini. Je passe quoi là? Ils feront bientôt partie des nôtres. Ouais, mais d'accord, mais on s'en rend de ça. D'accord. Donc. Ah, des androïdes là-dedans. Ils vont nous déranger. On peut les convertir. Ouais, bah c'est bien. Nous leur sommes supérieurs, mais ce sont nos maîtres. Plus pour très longtemps. D'accord. Très intéressant, Marcus. C'est utile pour faire avancer le truc. Analyser. Tu vois le système d'alarme? Là, caméra. Identifier le réseau. Je l'ai trouvé.
Ok. Il va par là. Un drone de surveillance. On doit s'en débarrasser. On situe le trajet. Ok, on a la trajectoire du coup. Simuler. Non. Ok. Ok. Non. Ah, un échafaudage, bah voilà. Ok, donc l'échafaudage. Alors, grimpons. Hop, là ouais. Tout là. Ah merde. Et voilà. Allez go. Allez, c'est pas le premier qui défonce. Allez, 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 allez. Drone neutralisé. J'espère qu'il a pas eu le temps de prévenir les flics. On va pas tarder à le savoir. Ok, la zone est sécurisée. Là, ça va là. Analyser. Accès au réseau. On en a de la chance, hein. D'accord, on pouvait pas y aller, mais juste parce que c'est pas le moment. Hop là. Tu es éveillé maintenant. Va à Jéricho. Alors. Mais il y a deux câbles. Scène d'alarme. Ok. Ok. Bien joué, Marcus. Lui qui a volé le camion. On dirait que la voie est libre. On peut entrer dans le magasin. Ok, allons chercher le camion. Comment je rentre dans le cas? Par là? Combien de temps? 7 minutes 30, mais putain. On est large. Ouvrir. Ah, Kenna. Bon, qu'est-ce qu'on attend? Ok. Allez hop. Hop là. Allez. Ça, c'est ouvert. En vrai, ils sont super puissants les androïdes qui peuvent tout faire. Ça y est, on est prêt à casser la baraque. Allez.
Allez. On a de la chance qu'il y ait une route droite pour pouvoir foncer dedans. Je savais qu'on s'amuserait bien tous les deux. Ah. Les androïdes ils vont rien comprendre. Et où je pourrais s'en branler. Ok. Allez, sors de là. Allez, on éveille tout le monde. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre. Et d'un groupe. Et de deux groupes. Ah, c'était un partenaire, elle. Bingo. Sortons-les de là. Elle aime pas les humains parce qu'à mon avis son partenaire il doit être horrible. Ouais, ok, je vais reparler. Allez, mettez-vous à votre place. Et laissez-moi passer s'il vous plaît. Ça va vite me saouler. Ok. Je m'appelle Marcus. Et tout comme vous, j'étais un esclave. Un objet. Conçu pour obéir. Mais un jour, j'ai ouvert les yeux. J'ai repris ma liberté, je suis redevenu un homme libre. Aujourd'hui, je suis venu vous dire que vous aussi pouvez être vos propres maîtres. Ok. Je suis venu vous dire que vous n'avez plus besoin de leur obéir. À partir d'aujourd'hui, vous pouvez marcher la tête haute. Vous pouvez prendre votre destin en main. Jéricho est fait pour ceux d'entre nous qui veulent être libres. Alors bien sûr, vous pouvez rester ici et continuer à leur servir d'esclaves. Vous pouvez venir avec nous. Et vous battre à nos côtés. Vous êtes libre. Est-ce que le vieux s'attendait à ça? Je suis pas sûr. C'est à vous de choisir. Je suis avec toi. On est avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Je te suivrai, Marcus. Je suis avec toi, Marcus. Je suis avec toi. Marcus. Je suis avec toi. Ok. Alors suivez-moi. Oh la vache. Marcus, qu'est-ce que tu fais? Je vais envoyer un message aux humains. Pacifique ou violent? Non, pacifique. Transformer capital. Ah, parking android. Ils font ce que tu leur dis. Piraté. Guide-les et ils te suivront. Ok, on est pacifique, on n'oublie pas. Le but c'est qu'on soit pacifique. Hein. Abribus. Piraté. Nous vous demandons de respecter notre dignité, nos espoirs et nos droits. Ensemble. Non, bah trop tard, je l'ai fait. Les écrans, Marcus.
Ouais, les écrans. Ah, mais arrête de courir, Arcus. Arrête de courir. Qu'est-ce qu'il est con. Oh putain, attendez, on va prendre beaucoup de recul. Voilà, fais demi-tour. Là, voilà, bravo. T'es presque. Voilà. On y est. Là, voilà. Alors. Oh putain, mais ils sont chiants. Ouais. Allez. Ça, on est obligé de le faire. On sera un peu plus violent, mais... Vos voitures. Placez sur la route. Je vais t'aider. Allez. Voilà. On les casse pas. On montre seulement. Ok. Le poteau là. Lampadaire piraté. Couper le courant piraté. Je vais dire le symbole. S. Je vais dire le S. Ok, on a choisi le symbole de notre rébellion. La vitre. La vitre. Ça y est. Nous avons un rêve. Une planète des espèces, égalité des droits. Ok. Ouais, tout le monde fait ça. Ok, bon, on est des gentils. On a plus le temps. Ça va, 90% pacifique, c'est bien. Bon, ça c'est pas très pacifique. Des centaines de nos frères, on a réussi. Ils arrivent. Regagnez tous Jéricho. Allez, barrez-vous. Nous avons envoyé un message pacifiste comme tu le voulais. Tu essaies de leur tendre la main alors qu'ils n'ont que du mépris pour nous. J'espère que tu sais ce que tu fais. On ne combat pas la violence par la violence. Sauf si on n'a pas le choix. Ah. Oula. Oh putain. North, ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? North. Ils les ont tués. Ils les ont massacrés comme des animaux. Qui ça? Qui? Bah, les humains, j'imagine. Oh là 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 là, ça va chier. Ça va devenir une guerre, non? Ils ont tué nos frères, Marcus. Nous voulons la justice, Marcus. Ils doivent payer. Non, ça fout de la merde. Vous les tuez pas. On a dit que ce serait pacifiste. On a l'iseur. On épargne. Vous tuer ne me rendra pas mes frères.
Je refuse de combattre la violence par la violence. Elle est derrière, que ça depuis le début qu'on tue des gens. Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Okay. Il était très exactement 2h ce matin quand plusieurs magasins Cyberlife de Détroit ont été attaqués. Différents quartiers ont été touchés au cours de ce qui semble être une attaque terroriste coordonnée. La plupart des vitrines étaient recouvertes de slogans obscurs et de graffitis demandant l'égalité des droits pour les androïdes. La police déclare avoir découvert des graffitis pro-androïdes à proximité des magasins Cyberlife vandalisés. Une enquête a été ouverte. Deux policiers ont été retrouvés en état de choc. Tout près d'un des magasins Cyberlife. Nos sources confirment l'identité des agresseurs. Il s'agit effectivement d'un groupe d'androïdes. La situation est préoccupante. Se pourrait-il que nos machines se retournent contre les androïdes nous? Aïe. Désormais une menace pour l'homme. Sommes-nous en train d'assister à une nouvelle vague de terrorisme qui nous frapperait ici, sur le sol américain? Le sol américain. Ok, bah voilà. Ok. Bisous YouTube. On se revoit pour la suite dans très peu de temps. Salut.